Bienvenue au spectacle. Je suis Guillaume et je suis jongleur dans la compagnie des Fractaux. Et moi je kiffe. Voilà. Moi je suis Eric et je suis jongleur aussi. Et troisième de l'équipe est en train de faire l'équalisation du son. C'est donc le sondier et musicien de la troupe. Il s'appelle David. On a créé la compagnie il y a quelques temps avec Mintam qui jouait sur le précédent spectacle. Avec Laure qui fait la production et qui a fait la production pour des Fractaux et maintenant qui fait la diffusion de Flac. On a créé avec David, donc le sondier qui est aussi sur ce spectacle. Et l'envie, c'était de créer un espace où on pouvait faire toutes les pièces de la compagnie. Et ce qui nous rassemblait, c'était l'envie de créer un langage corporel et jonglé. Et on est parti au départ sur quelque chose de graphique et de rythmique pour pouvoir créer un langage, un monde, des situations. Et on a fait deux pièces comme ça, une courte qui s'appelait Ciné TikTok de 10 minutes et une plus longue, une forme longue qui s'appelait Circuit fermé avec Mintam. Et on crée une nouvelle pièce qui s'appelle Dystonie. Et pour cette occasion, il y a différentes personnes qui sont rentrées dans la compagnie. André Hidalgo et Van Kim Tran. Et pour parler un peu plus de la compagnie, il y a Pierre Morel, un photographe qui nous suit depuis le début, qui fait partie de la compagnie. Et notre président, Emmanuel Pérez, qui fait de la PEDA dans la compagnie et qui jette des balles rebonds comme un dingue. C'est assez collégial. On forme généralement, je pense que c'est vrai pour toutes les pièces, on part plutôt de l'équipe que du propos. Donc Flac, au départ, c'était une équipe, donc c'était des gens qui voulaient bosser ensemble. Et donc, de fait, après, la création du spectacle se fait de manière collégiale avec les gens qu'on a choisis pour bosser ensemble. C'est donc pas le rapport qu'on a en tête des fois avec le metteur en scène qui dirige des acteurs. Il y avait un metteur en scène sur Flac, mais en fait, on était tous un peu metteurs en scène. Dans l'équipe de création, on était 6, si vraiment on compte tout le monde. Ceux qui ont fait la lumière, ceux qui ont aidé pour le jonglage, comme Jagilian. Regard extérieur, Jagilian. Pour la regardation et pour la mise en scène, Johan, et puis les gens sur le plateau. C'est un peu. Il n'y a pas de rapport hiérarchique, et puis il y a un peu tout le monde qui balance ses idées. Et assez souvent, il y a des rôles et des places dans la façon de travailler qui se dessinent assez naturellement. Concrètement, on ne dit pas à David. Propose-nous 5 musiques et nous on fera une pièce dessus. Et pas non plus, voilà la pièce, fais la musique qui va avec. C'est un espèce de truc où chacun trouve. Ouais, c'est assez organique, comme les bancs de poissons qui bougent dans l'océan, tous ensemble, comme s'ils étaient un seul être alors qu'ils sont 1000. En fait, on a fait une résidence très courte ici au Carme, de 3 jours, en décembre 2013. Pour retravailler une scène, la scène finale du spectacle, donc une scène très spécifique. Et à cette occasion, on avait d'ailleurs fait une petite présentation de travail devant un public restreint. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre histoire? Oui, le Circuit fermé a joué déjà 2 fois ici. Mais ça... on a que joué. Les spectateurs fidèles le savent déjà. C'est le TikTok aussi, on a joué. Ouais, on a joué déjà dans le cloître, ici, de toutes les formes courtes de la compagnie. Circuit fermé en version courte et ciné TikTok, et on a joué du coup en décembre de la même année où on est venu faire Flac en résidence, on a joué Circuit fermé dans le théâtre. Il y a toujours un danger à se mettre à réfléchir beaucoup et à faire toute une philosophie et du coup la perdre, parce que quand on vient dans le concret de qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on bouge, on peut vite avoir une grande distance avec ça. Et l'envie d'être in situ pour nous, c'était beaucoup d'être sûr d'être dans les endroits où on est quand on y est. Et c'est rigolo de dire ça parce que ça paraît évident d'être sûr. Ceci étant dit, dans un théâtre ou dans une boîte noire, on peut vite se sentir dans le même espace puisque la boîte noire, c'est précisément l'objectif, tu vois, d'enlever tout le sens d'une salle spécifique. Donc pour nous, d'enlever tous les points de rayon, ça nous ramenait sur
un sol qui est toujours celui du lieu, puis avec des murs qui sont ceux du lieu. Et c'était un des grands points de la philosophie qui pouvait se ramener en concret, de dire, bah tiens, on arrive dans une salle, on laisse la salle comme elle est. En fait, déjà, quand on arrive dans un lieu, ne serait-ce que de voir ses murs, et c'est déjà quelque chose de fort. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin que ce soit très insolite ou très bizarre, ou que le spectacle soit très adapté au lieu pour que déjà il se passe quelque chose. Du simple fait qu'on voit les murs qui sont pleins de pierres, et bien, ça crée une ambiance particulière. Près d'Enflac, on a deux points où on rencontre, entre guillemets, le lieu plus fort, c'est-à-dire où la différence entre lieux va se manifester fort. La première chose, c'est le sol, puisque on fait beaucoup de choses par terre, on tombe beaucoup. Et du coup, évidemment, c'est hyper différent quand c'est un parquet, là, comme là au Carme, ou quand c'est un parking très dur, qui est quelque chose de plus urbain, ou quand c'est des graviers, où là, ça dérape, on les étrase par terre, etc. Ça, c'est le premier truc où on rencontre le lieu très fort. Et le deuxième, c'est la scène finale. On ne sait pas encore ce qu'on va faire là au Carme. Il faut qu'on y réfléchisse, qu'on adapte en fonction du lieu. Il y a des lieux qui permettent des choses. On a une scène finale assez flexible et on peut, là pour le coup, vraiment jouer avec le lieu. Ce qui nous amuse, c'est de situer dans des endroits qui sont expressifs de fait. Et par exemple, le carré de la scène, c'est un symbole, au sens de quand on vient dans un contexte de spectacle et qu'on voit un carré dessiné, et qu'on sait que c'est le lieu de la représentation, ça symbolise le lieu de la scène. Du coup, on met un sens dans un signe. Et ce qui nous plaît, c'est que ce signe, indépendamment du sens qu'on y met, ça crée un espace fermé, et dans lequel nous, on va commencer. Et c'est chouette pour nous de pouvoir s'adresser, que ce soit des gens de cultures différentes, ou soit des enfants, ou des adultes, ou des gens qui sont à ce fois au milieu du spectacle. Que cet objet ou que ce signe puisse être rempli d'un sens proche, c'est-à-dire qu'il y a un espace fermé dans lequel on fait des trucs. Propos a priori, c'est souvent quelque chose qu'on arrive à décrire avec des mots. Donc, si on faisait un propos a priori avec des mots, on est sûr qu'à la fin, on va pas avoir un propos qui ne peut pas être dit avec des mots. Et donc, en fait, le fait de donner le propos a priori et de le décrire avec du texte, ben, il y a quelque part quelque chose qui enferme. On va forcément vers quelque chose de descriptible par un langage discursif. Et le fait de ne pas se donner de propos et de travailler les matières donc, du jonglage, du corps et du machin, et d'attendre de voir que le propos il apparaisse. Et puis finalement, quand il est là, on dit ah, c'est un peu ce truc qu'on n'arrive pas à expliquer, mais on sent qu'il est là, c'est cool parce que du coup, on a quand même quelque chose d'assez abstrait, et puis un peu bizarre et mystérieux, parce que c'est quelque chose qui vient d'un langage qui n'est pas celui de la langue, mais. Déjà, les feuilles de salle, moi je suis très anti-feuilles de salle. Je déteste ça, on est toujours obligé d'en faire une. C'est quand même terrible de donner le mode d'emploi. De quelque chose qu'on n'a pas besoin. Alors que les gens vont voir de toute façon de quoi il s'agit. Après, on est toujours obligé de faire un petit texte parce que les gens, il faut quand même qu'ils choisissent ce qu'ils vont voir. Et cette espèce de jeu de la communication pour convier un public. Si on ne convie pas de public, c'est un peu raté. Et en tout cas, les spectacles qu'on fait, c'est des. Je vais citer Claude Régis. On crée des espaces d'imagination pour le public. C'est-à-dire qu'on crée un contexte théâtral ou jonglistique, ou corporel ou musical, pour que le public puisse comme projeter son imaginaire dessus. C'est pas nous qui mettons des images spécialement dans la tête du public, mais on crée des endroits où lui, il peut se figurer des choses. Et
Du coup, il n'y a pas trop le phénomène à la fin où on est surpris de la façon dont les gens l'ont interprété. Quelques mots à fond. C'est une nouvelle équipe, du coup, il y a, dans les gens qu'on connaît, sur le plateau, il y a David qui va faire la musique. Je serai dedans aussi. Il y a deux nouveaux jongleurs qui sont Van Kim Tran et André Hidalgo. Des gens qui ont des corps très spéciaux, des pensées très spéciales et j'aime beaucoup comment ils font des blagues. Il y a deux autres musiciennes qui sont Fanny Roseron et Samantha Lopez qui, du coup, ça fait trois musiciens, trois jongleurs. Et on va voir ce que ça donne. C'est prévu pour 2017 et on a envie de jouer pareil en tout terrain, in situ, en bifrontal. Et pour nous suivre et faire la mise en scène avec nous, de manière collégiale et appliquée, c'est convivial, entre copains, c'est Eric qui va faire la mise en scène d'un point de vue extérieur, qui fait le regard extérieur pour faire la mise en scène avec nous. Ben, j'en sais rien parce que je l'ai jamais fait. Donc, c'est quand même. Du coup, je sais pas trop. Au niveau énergie, il y a quand même un beau ressort, je pense, c'est le fait de pas être là tout le temps qui fait qu'on. On découvre des choses qui ont maturé. Ça donne du recul. On voit le truc et puis on part pendant un mois et quand on revient, les trucs, on les redécouvre. Souvent, ils ont été travaillés par l'équipe. On a dit faites ci, faites ça et puis ça a été fait. Et donc en fait, il y a quand même on a le choc de voir le travail qui a avancé d'un seul coup. J'avais très très envie de continuer à bosser avec Eric. Et les projets, les plannings et puis nos vies font que c'était pour un autre moment de revenir sur le plateau ensemble. Et puis on y est très souvent. Du coup c'était super chouette de pouvoir se dire on continue le rapport qu'on a créé dans la façon de penser le spectacle. Et on a partagé des trucs aussi. C'était très chouette d'avoir Joanne en extérieur. Et du coup, nous, on a partagé tous les deux le fait d'être à l'intérieur et de travailler avec quelqu'un d'extérieur et ce que ça pouvait apporter. Et c'est curieux, c'est comme si j'en avais vu aucune difficulté. J'ai vu que des trucs moteurs dans ce fait-là. Et du coup, de réinviter Eric à faire ça, c'est vraiment un super, à la fois plaisir et enjeu, parce que ça fout vraiment le trac de montrer aux copains. Et puis, ça fait un truc super sain dans l'enjeu que ça met et dans le rapport aussi que ça crée, parce qu'il y a une énorme confiance sur le plateau. Si Eric il va nous dire des trucs, on va savoir que ça résonne aussi de quelqu'un qui, à la fois, a partagé le plateau avec nous et qui, précisément, le fait de ne pas y être, peut se permettre des choses pour nourrir le plateau. Si tu veux, je peux mettre un peu plus de temps. Je fais ce petit 5x8. C'est un peu le thème du spectacle, la répétition. Et c'est foutu de ma gueule.